fais pas le gros zoom sur mon nez. Alors voici le nez de Hiraku. Arrête. Ah, elle est malade, mais elle va pouvoir répondre quand même à ma question, la question que j'avais posée sur Twitter, qui concernait la réalité virtuelle. J'ai dit que j'en ferais une vidéo et que j'attendais un petit peu de vos avis. Voilà, c'est un petit sondage comme ça. Voilà, j'avais prévu une vidéo, puis je me suis dit bon bah je vais leur demander. Et donc cette mademoiselle ici présente a regardé ma question sur Twitter et n'a pas compris ce dont je voulais parler. Alors qu'en fait, au fond, elle ne le sait pas encore, mais elle sait ce dont je parle. Et donc en fait, ce dont je parle, ma chère petite Hiraku, eh ben c'est tout simplement des casques de réalité virtuelle. Tu sais ce que tu mets sur Oui, les... oui, ce qu'on a vu à Japan Expo. Ah oui, ce qu'on a vu à Japan Expo, oui. Et je sais que tu as certainement un avis bien arrêté sur... Oui, mais je le dirai pas. Mais si, bien sûr que tu vas le dire, ça va être très intéressant. Mais avant tout, avant que... Parce que je me suis quand même pris des petites notes, là. Enfin, je vais pas vous les montrer, sinon je vous dévoile tout de suite la vidéo, ce serait con. Ouais, alors, je vais d'abord vous dire, moi, mon avis à moi. Et après, on en viendra aux avis de ceux qui m'ont gentiment répondu sur Twitter. Et puis, ah, et puis après, on en... Ah ouais, regarde, t'as vu, j'ai même mis les tweets, mais moi je vous oui, le mettrai. J'ai vu celui-là. Et voilà, mais moi je vous le mettrai directement là en bas quand on en parlera. Enfin, je vais voir comment je vais me débrouiller. Ouais, lui qui m'a fait très tilt dans la tête là. Ah, mais tu sais quoi, et ben tu m'en parleras. J'ai rien pipé de ce qu'il a dit. Tu m'en parleras quand on arrivera dessus. Moi, tout simplement, voilà, au début, je voulais simplement donc ouais, alors déjà pourquoi une vidéo sur la réalité virtuelle? Ah, parce que déjà, c'est la grosse hype du moment, hein. On en entend parler partout, ça va arriver dans nos foyers, et forcément, ça concerne principalement le jeu vidéo. Et c'est principalement le sujet qui m'intéresse, et justement, sera la prochaine étape, du coup, dans le jeu vidéo. Parce que là, la prochaine étape, là, c'est maintenant, on avait des grosses télés, après on a eu la 3D, et maintenant, on va carrément s'immerger dans le jeu vidéo. Ouais, bon, full HD et tout ça. Mais du coup, maintenant, ce qui va être super intéressant, bah, c'est complètement l'immersion. Voilà. Maintenant, on va carrément, pas regarder le jeu, mais vivre le jeu. Voilà. Et donc, c'est parce que, voilà, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et parce que, oui, aussi ça. Mais attends, t'inquiète pas, on va en parler. Non, mais c'est justement parce que ça m'intéresse et parce que, justement, ça arrive vraiment sous peu et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de concurrents là qui sont vraiment greffés à la réalité virtuelle, hein. Bon, je veux pas tous les citer parce que déjà je les connais pas de tête, mais au départ il y avait juste Oculus, hein. Après il y a eu Sony qui est arrivé sur le marché avec son Project Morpheus, et après il y en a eu toute une pelletée. Donc là, c'est, on va dire que c'est bien enclenché. Mais bon, là je m'avance un petit peu sur ma vidéo là. Tout d'abord, je voulais simplement, voilà, dire mon avis sur le truc. Ben, tout simplement, j'ai détaché en avis positif et négatif, mais on va pas faire trop scolaire. Je vais tout simplement dire que mon premier avis, déjà, mon premier truc, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est l'immersion dans le jeu. Voilà, c'est comme je le marque, c'est habiter le jeu. Voilà, la première étape, c'était simplement tu regardes le jeu et plus les télés sont grandes, plus tu t'immerges dans le jeu, mais pas encore assez. Après, t'as eu la 3D, mais la 3D, moi j'ai peur qu'en fait la réalité virtuelle finisse comme a fini la 3D en quelque sorte. Mais moi, au fond de moi, je pense pas que ça fera comme ça. Parce qu'on a eu la 3D, mais qui aujourd'hui peut se vanter entre guillemets d'avoir joué à un jeu en 3D, sachant qu'il faut que la console supporte la 3D, donc avec les nouvelles générations, ça va. Il faut que votre télé supporte la 3D. Et il faut que vous ayez un appareil, enfin des lunettes, quoi, pas forcément agréable à porter quand vous jouez, qui pourra vous retransmettre la 3D. Donc, déjà, il y a peu de personnes, mais ça nécessite beaucoup de trucs. C'est pas vraiment génial comme expérience. Enfin, une fois que t'as tout réuni, peut-être, mais je veux dire, peut-être pas pour trop longtemps. Parce que déjà, c'est coûteux, et puis c'est pas forcément agréable. Les lunettes sont pas forcément adaptées pour être tenues longtemps, quoi. Donc là, déjà, c'est quelque chose que la 3D, c'est vraiment une étape qu'on a passée, mais très rapidement. La 3D, voilà, moi, je pense qu'on est resté encore au moment où on veut encore de plus en plus des télés de plus en plus grandes pour s'immerger dans le jeu. Mais c'est là où intervient la réalité virtuelle et c'est là où c'est super intéressant, c'est parce qu'elle nous propose carrément d'être dans le jeu. Alors là, au début, c'est juste un casque qui va nous immerger dans le jeu. Pour les mouvements, ça commençait par simplement, bah, vous avez le pad en main et puis vous continuez à utiliser les joysticks pour regarder autour, etc. Mais ça, ça évolue et ça change énormément
autant dans le temps que en fonction des constructeurs, parce qu'il y en a qui vont simplement faire le casque et d'autres qui essaient de se porter vraiment sur la full immersion, hein. C'est-à-dire ils vont mettre des gadgets dans les mains pour que tu reconnaisses tes mains dans le jeu. Enfin, ça va être, je sais pas trop comment ils vont adapter ça. Il y en a même dès le tout début que Oculus avait annoncé son casque. Ça devait être la deuxième ou troisième vidéo que j'ai vue à ce moment-là. C'était vraiment un gars qui était dans un espèce d'engin qu'il avait autour de sa taille, là, comme ça. Et en fait, il marchait sur un espèce de tapis roulant. C'était un tapis roulant circulaire. Comme ça, il pouvait se tourner comme ça dans tous les sens. Et il pouvait comme ça marcher tout en étant maintenu à la taille par un truc. Et du coup, il bougeait pas dans l'espace, mais il bougeait dans le jeu. Le jeu interprétait qu'il bougeait parce que le tapis roulant en dessous de ses pieds était en train de rouler. Là, je sais pas si ça va aller aussi loin pour les casques qui vont sortir des divers constructeurs. Mais là, j'avoue que mon avis, là, je sais pas trop parce que là, ça reviendrait un peu comme à la 3D. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de matériel pour au final pas grand-chose. Enfin, si, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement coûteux et bon, je sais pas pour les gens qui ont pas forcément, pour les gens qui ont le temps ça va, mais pour ceux qui ont beaucoup moins de temps, ils vont déjà passer 20 minutes pour s'installer dans leur machin, ils vont jouer quoi, une demi-heure, et après ça va être terminé, ils vont devoir tout ranger, etc. Non, moi Bah, je c'est un pense petit que peu ce qu'on fait pour les vidéos aussi, hein. oui, c'est ce qu'on fait pour les vidéos, mais je veux dire on joue plus de fois qu'on fait des vidéos. Ah oui, mais après, ça dépend des gens, Voilà, bah après c'est vrai que voilà, là c'est hein. vraiment, enfin c'est vrai, t'as raison, c'est-à-dire que ça dépend vraiment des gens. Et dire, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui ont le temps, eux c'est pas un problème. Mais là, j'allais me ramener à ma propre expérience parce que là on parle de mon avis et mon avis, c'est que moi pour le moment, je veux simplement un casque qui m'immerge correctement. Voilà. Bon, t'arrêtes de péter un câble, toi, le chat, il pète les câbles. Ouais, moi, plutôt que ouais, d'avoir, je sais pas, des milliards de choses à installer et d'avoir un casque qui a une qualité médiocre, eh ben, je préfère avoir un seul casque, un seul gadget, mais en avoir un très très bon, quoi. Donc ça c'est mon avis. Alors, qu'est-ce que j'avais noté de plus? Voilà, bon, c'est comme là, je viens d'en parler, la qualité. Voilà. Moi, je suis sceptique sur certains points. C'est la qualité. Alors, chez certains constructeurs, ça va être plus simple que d'autres. On sait que par exemple sur le PC, ça va être plus simple parce que le PC évolue plus efficacement et plus naturellement qu'une console. Voilà, une console, tu peux difficilement lui enlever ou lui remettre des composants. Sachant que moi, je suis plus console que PC, hein. Changer des composants sur un PC, ça m'a toujours fait extrêmement chier. Voilà, je ne boot pas le PC pour autant, mais je joue plutôt sur console que sur PC. Voilà, parce que devoir avoir des trucs qui tombent en rade tous les 1 ou 2 ans, je préfère avoir une console qui certes se mettra pas à jour au niveau des graphismes, mais qui au moins voilà me laissera tranquille pendant plus de 5 ans de ma vie de joueur. Voilà. Alors c'est là où sur le PC ce sera un peu plus, ça pourra évoluer que en mieux au niveau de la qualité. Mais moi, comme je compte me le prendre justement sur PlayStation 4, là je me suis dit déjà la PlayStation 4, elle supporte, je crois, pas plus que le même, je sais même pas si elle supporte l'Ultra HD. Donc avec les lunettes, il y aura même avec une résolution comme celle-ci, il y aura encore beaucoup trop de pixels pour qu'on se sente complètement immergé. Mais j'ai vu récemment une news qui parlait d'un espèce de boîtier qui serait connecté entre la PS4 et le casque, je crois, qui permettrait d'améliorer justement le rendu que donnera la PS4 jusqu'au casque. Voilà, ça va recalculer je sais pas moi, la qualité pour qu'elle soit meilleure dans le casque. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Donc si ça se fait, tant mieux. Mais après voilà, ça fait encore un gadget en plus à brancher, à installer, à ranger Et après. surtout à acheter. Oui, et Ah acheter. Mais bon, à ce qui paraît, il sera pas si cher. Mais bon? bon, enfin, franchement, je vais rien dire parce qu'on a vraiment encore eu que des rumeurs à ce propos. Juste le boîtier, je pense qu'il sortira. Mais par contre, le prix et tout ça, je sais pas vraiment. Alors justement, le prix, voilà, j'en parlais. Je suis sceptique au niveau du prix, sachant que la plupart annoncent un casque entre 300 et 400 euros. Voilà. Ça, c'est donc c'est le prix d'une console. Hein. Comme l'a annoncé Sony, ils ont dit, ce sera le prix d'une console. Bon, là-dessus,
Moi, je me dis, enfin là, il y a deux écoles. Et c'est là où ça va être déterminant pour la suite du casque. Mais ça, je vais plutôt en parler la suite. Je vais pas empiéter sur la suite. Donc le prix, ça on verra après. Après, voilà ce que bon, j'ai parlé de encombrant. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Pas besoin de revenir dessus. Introverti. Alors là, j'ai parlé de introverti parce que du coup, Oula. ça c'est quelque chose qui va te plaire, ça, Mais hein. pourquoi? Vas-y, bah tu sais quoi, vas-y, parle-en. Pourquoi on serait introverti? Pourquoi est-ce qu'on serait on serait complètement, je sais pas, seul, immergé dans le jeu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je dis que. Moi, je suis peut-être rabat-joie, mais. Les vieux jeux. Mais moi, je dis que. Plus la technologie avance, et plus. En fait, ça nous aide pas. Pour. À s'ouvrir. Hein? À s'ouvrir. Oui, surtout à s'ouvrir pour les personnes qui sont un peu comme toi et moi. Des personnes introverties qui sortent pas beaucoup, Justement, qui nous, n'ont on en pas. a rien à foutre. Si on Oui, sort non, pas, non, non, qu'on soit encore plus introverti, on n'a rien à battre. Non, je même, quand déconne. même, il faut quand Non, même mais bien avoir sûr, bien sûr. comment dire, un esprit humain quand même. Je veux dire que là, on est comme des machines, on est indépendant, on est à fond dans un truc qui n'existe pas, quoi. Oui, mais Ah. qui te dit que le casque de réalité virtuelle ne va pas dans le futur être adapté pour se Non, connecter à des réseaux, je franchement, sais pas moi. et ça fait flipper, c'est des trucs de psychopathe Mais quand toi, même. ça te fait flipper, mais moi, ça m'excite, c'est vraiment Non, des t'es trucs. sérieux? Mais oui, c'est des Mais trucs. Tu vois, non. alors, vous voyez, là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux avis différents. Elle, la technologie, à quel point jusque là où elle peut aller, la fait un petit peu flipper, Non, pas flipper, non, mais mais flipper au je niveau des trouve que relations c'est sociales. poussé, c'est poussé, ça va vraiment loin. Donc Je veux dire, voilà. ok pour les curieux, mais après il y a des gens qui vont faire ça toute leur vie, quoi. Oui, mais Et alors dans ce après il cas. faut, enfin voilà, pour découvrir par curiosité, ok, mais faire ça tous les jours et genre s'enfermer dans la chambre et genre sortir juste pour pisser. Oui, mais je vais quand même te faire un rapprochement avec un truc qui existe déjà. Ou Je sais alors. pas si tu avais vu ou si tu avais connu la hype de World of Warcraft. Je sais pas si t'as vu ça, mais les gens, ils étaient vraiment complètement dedans et ils y Bah, passaient des nuits entières. vraiment, Et je suis c'était pas pas. forcément de la réalité virtuelle. Donc en fait, Mais je je veux pense que. dire que moi, je connais pas autant l'actualité des jeux vidéo que toi. Donc après. Oui, mais non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce qui existe aujourd'hui Oui, donc. avec World of Warcraft, En n'importe quel autre fait, jeu addictif. ça aura aucune influence entre ce que tu me dis et avec le casque, en fait. Eh ben, Ce sera ce que je veux dire, pareil. c'est voilà, ce sera la même problématique. D'accord, mais écoute. Enfin, la même problématique à la différence que c'est vrai que là, on a carrément le Mais. casque sur les yeux et on sera vraiment cette fois coupé vraiment de la Et réalité, puis, hein. oui, genre, t'as un truc dans les yeux, tu vois du noir, tu vois juste ton écran. Mais. Alors, je sais pas, on dirait Tu que t'es vois pas ce qui se passe enfermé, autour, en c'est-à-dire que si fait. jamais quelqu'un te fait un signe ou quoi que ce Mais soit, tu c'est le vois comme même si pas. t'étais dans une pièce dans le noir et que t'avais pas de bruit, t'avais rien. En fait, t'es enfermé comme dans ton monde, comme tu dis à Kiro, Bah oui, que c'est un autiste. mais Voilà. si moi par exemple, je vais sur mon PC là, j'installe World of Warcraft, je m'enferme dans la chambre, c'est pareil, je serai dans une pièce toute noire sur mon jeu et je verrai pas Et le t'as rien truc compris dans le extérieur. noir. Voilà, c'est ça. Non mais bon, moi je pense que voilà, la seule différence c'est que là on sera vraiment immergé, mais la problématique de oui, mais on va passer trop de temps dessus, on va complètement se couper du monde. Je pense que c'est une problématique qui existe déjà. Non, Voilà. oui, mais en fait, C'est, oui. ça va pas vraiment être différent. Après, ça dépend de Après. toi. Je veux dire, c'est comme on dit, les jeux vidéo rendent violents. Mais Oui. les jeux vidéo, Mais en les fait. films peuvent rendre Mais violents. oui, La musique peut rendre mais en violent. fait, ça Regarde, il y en dépend a des un gens, sur comment ils Allumer le feu, il a l'interprètent. été allumé le feu Mais quelque part. peut-être, voilà. De Mais quoi? après, c'est les gens, ils sont fous. Enfin, je veux dire, des fois, des trucs, ils interprètent les gens, mais. C'est un truc de fou, quoi. Mais Moi, ça dépend. quand tu dis que les jeux sont violents. Enfin, il faut quand même être raisonnable, c'est virtuel, c'est pas réel, et franchement, t'as des guignols qui vont s'amuser à tuer des gens dehors, quoi. Bah oui, Comme. Non, mais ils sont. mais Enfin. ça, il y a déjà la société, enfin les médias qui montent un petit peu la tête des gens là-dessus en disant que le jeu vidéo c'est violent. Oui, Alors que je suis mais désolé, il y en a mais. déjà qui. Je me rappelle de quelqu'un, je sais plus où c'était, qui a déjà tué des personnes innocentes en voiture. En ayant fait quoi?
Et bien, en leur comme ça, hop, il a écrasé des gens, je sais plus comment. Oui, Mais j'ai papa, entendu mais ça à la non, radio, mais ouais. ils ont dit parce qu'il avait joué un jeu vidéo. Ils ont... Oui, Oui, un voilà, truc ils ont comme précisé ça. ça. Après, ouais. Mais oui, mais alors qu'on parle très peu, moi je vais dire, moi je sais quoi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est un sentiment personnel. Quand je vais au cinéma et que je vais voir un film d'action, et ben quand je ressors de ce film, quand je sais pas si c'est par exemple un film de bagnole, et ben quand je vais prendre le volant de ma voiture, je vais pas forcément faire le caca ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je me sens encore dans le film et je sais pas, j'ai envie d'aller vite et tout, de faire comme ça. Bon, je le fais pas parce que je suis Bon, prudent. je te passerai plus ma voiture, hein. Non mais Hein? c'est pour faire le rapprochement. C'est que après un film, tu te sens, ben après ça dépend des personnes encore une fois, mais moi en tout cas, je me sens différent pendant un certain temps. Et ben pour moi, je suis désolé, mais les jeux vidéo c'est pareil. Sauf que les médias, je pense personnellement que les médias montent moins la tête au cinéma qu'aux jeux vidéo, parce que déjà le cinéma est un peu Le jeu plus vidéo. reconnu, le jeu vidéo est beaucoup plus récent que le cinéma, mais surtout, c'est que les films, ça passe à la télé. Et si jamais la télé n'avait plus de films, si jamais ils faisaient la guerre aux films, les films ne seront plus diffusés sur la télé, et là ils perdraient une audience de malade, alors que t'as aucun jeu vidéo qui passe sur les grandes chaînes. Donc ils en ont rien à battre, ils peuvent les descendre comme des malades, comme ils en ont envie. Mais bon, c'était pas le sujet! Mais aussi dans les jeux vidéo, t'es héros de toi-même, je veux dire, le personnage, tu le contrôles, donc en fait, c'est toi qui fais la vie dans le jeu, quoi. Bah oui, enfin, déjà, moi j'ai un ami, voilà, qui est pas vraiment dans le jeu vidéo du tout. Et ben il m'a dit, moi quand j'entends les médias qui disent que le jeu vidéo peut rendre violent et que c'est à cause de ça que l'autre il a tué machin, il me dit, moi j'arrive pas à comprendre ça parce que moi les seuls moments où je joue à un jeu vidéo, quand je l'avais fait essayer GTA par exemple, GTA, le jeu par excellence qui est reconnu comme étant violent et qui ferait naître justement apparemment des violences insoupçonnées dans le. Les gens, Mais voilà, c'est bon. partout pareil. Et ben, il m'a dit que lui, justement, comme il peut se défouler dans le jeu, et ben, il ressent pas l'envie de se défouler dans la réalité, parce que justement, il peut le faire dans le jeu. Donc, justement, il passe son envie dans le jeu et Voilà. pas dans la Bon, réalité. en fait, il faut pas croire les Enfin, médias. bref. Mais même l'histoire des requins, c'est pareil, hein. Chaque fois quand ils disent à la plage, il y a un mort, ils disent toujours que c'est la faute des requins, mais alors que non. Oui, c'est parce que les gens C'est. aussi vont un peu trop Ils loin. disent toujours C'est les ça? Non, mais requins, les oui. requins, les requins, mais Ah, non, mais là, on peut c'est. partir sur un Oui, débat vraiment très loin, non, là. on peut partir sur n'importe quoi parce que les médias, il faut pas toujours y croire à 100%. En tout cas, tout ça pour dire, depuis le début, en fait, ce débat a commencé pour dire qu'en fait, déjà, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont être extrêmement addicts et d'autres qui vont être raisonnables. Voilà, c'est tout. Et moi, pour mon avis personnel, je me connais. Je sais que moi, la réalité virtuelle, je vais pas m'enfermer dedans je sais pas, comme un gros geek et plus avoir de vie. Non, non. La vie est beaucoup plus importante à côté. Pour moi, ça restera un loisir. Mais voilà, je sais que, en tout cas, je vais prendre mon pied à faire ça et j'attends vraiment cette étape-là de pied ferme parce que je suis vraiment pressé de pouvoir faire cette expérience-là. Quand j'entends des gens parler qu'ils ont testé le casque et qu'ils ont trouvé ça vraiment génial, moi ça me donne vraiment carrément envie. J'ai vraiment envie de me retrouver là-dedans. Bon bref, on va s'arrêter avec là. Si, j'avais juste un autre truc pour la vie personnelle, c'était mon rêve, c'est-à-dire mon absolu. Mon absolu, et ça va te faire plaisir. Ouais, j'ai vu. Mon absolu, pour le casque de réalité virtuelle, ce serait d'arriver un peu ce qu'ils essayent de faire avec Pokémon Go. Alors, je dis très vite fait, Pokémon Go, ce sera une application sur smartphone et qui te permettra en réalité augmentée, donc ça c'est autre chose, peut-être que je parlerai de la réalité augmentée dans une autre vidéo, mais qui te permettra en réalité augmentée de voir les différents Pokémon, enfin des Pokémon apparaître, en fait, je sais pas, n'importe où, dehors ou quoi que ce soit, et tu pourras les attraper. Alors, tu pourras les attraper certainement en lançant des Pokéballs, mais directement via l'application, hein. Tu pourras juste les voir grâce à l'application en réalité virtuelle, mais après, tous les combats, toutes les actions en fait seront faites Ouais, directement je l'ai sur le noté. logiciel. Et tu pourras te battre contre des gens et tout ça. Enfin, ce sera génial. Un peu comme ce qu'on peut faire avec la DS, sauf que là, tu seras vraiment avec ton téléphone. Enfin, je pense que ce sera différent vu que l'application sera vraiment développée pour ça. Je pense qu'il peut faire vraiment un truc super bien, comme il peut faire une bouse infâme. Mais là, par contre.
avec la réalité virtuelle. Certes, tu seras pas dans ton monde, dans ton monde à toi, tu verras pas ton propre monde. Mais je pense que s'il ferait un monde connecté, là où tu peux rencontrer des Pokémon, mais alors, c'est vrai que la réalité augmentée, là je suis en train de me dire justement que la réalité augmentée c'est peut-être mieux parce que du coup tu peux te déplacer un peu où tu veux et rencontrer des Pokémon là où tu es sur la Terre. Alors que si t'es dans la réalité, enfin si t'es en réalité virtuelle avec ton casque, tu peux par définition pas te déplacer. Tu pourrais que te déplacer dans un monde virtuel. Donc la réalité augmentée serait meilleure. Alors sur smartphone ce serait vraiment super limité. Je pense que le mieux avec la réalité augmentée, ce serait d'utiliser les Google. Je crois que c'est les Google Glasses là qui te permettent d'avoir la réalité augmentée. Bon, tu peux éviter de dire qu'il pue du cul à côté. Hein, on le sent déjà. Ouais, non, je pense que à bien y réfléchir, la réalité virtuelle, ce serait bien pour un monde de Pokémon si le monde est complètement inventé et tu peux t'y déplacer à l'intérieur. Mais l'idée serait énormément meilleure. Et l'immersion serait encore meilleure si on utilisait plutôt des Google Glasses avec des réalités augmentées. C'est-à-dire que là, tu tournes ta tête et tu vois dans tes lunettes, du coup, ce qui se passe autour de toi et dans ton vrai monde. Et d'avoir vraiment, alors là, par contre, je sais pas comment ça va se passer pour que ce soit le plus réaliste possible, pour que tu puisses carrément lancer la Pokéball et tout. Mais bon, pour là, tu paraîtrais un peu ridicule si toi, t'es le seul à avoir des lunettes et puis tu bats, ouais, oh putain, là-bas, il y a un Pokémon. Tu prends, tu dis, oh putain, tu vas lancer ta Pokéball et tout. Et puis t'en as un, il a pas ses lunettes, il te regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Surtout s'il connaît pas Pokémon ou T'as vu quoi que ce les soit. enjeux, tu sais, les lunettes là de la Japanese Go là qu'ils avaient mis. Ouais. T'imagines, tu te balades comme ça dans la Ouais, rue. non, 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 mais là, je parle plutôt de réalité augmentée. C'est-à-dire, réalité augmentée, c'est des lunettes. Et à partir de ton verre, par exemple, là, juste ton verre, là, il te retranscrit dans la réalité des choses. Mais voilà, autant la réalité augmentée que la réalité virtuelle a ses limites. Parce que dans la réalité augmentée, tu seras vraiment immergé dans le monde réel, mais par contre, tes actions seront vachement limitées. Alors que la réalité virtuelle, bah là, tu es limité par tes déplacements, mais par contre, là, tu pourras faire toutes les actions que tu veux, parce que tu auras, je sais pas, des éléments qui seront reconnus. Voilà, tu verras comme ça, et puis là, tu pourras avec tes mains, en tenant quelque chose, vraiment faire ce que tu veux. Tu pourras prendre une Pokéball, tu pourras la lancer sur le Pokémon. Je pense que voilà, là, il faudrait qu'ils réussissent à faire une fusion entre les deux. Je sais pas comment ils vont se démerder. Peut-être que la réalité augmentée, en fait, si elle peut faire ça, je suis con. La réalité augmentée peut faire ça, c'est-à-dire si tu mets ta main comme ça, face à tes lunettes, tu pourras voir que tu as une Pokéball dans la main. En réalité augmentée. Putain, bah voilà, bah rien que de faire cette vidéo, mon avis vient de changer un petit peu. C'est-à-dire que finalement, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire en réalité virtuelle, en monde Pokémon. Mais par contre, en réalité augmentée, putain, t'imagines si pour attraper un Pokémon légendaire, faudrait aller, je sais pas, moi, au Taj Mahal, ou je sais pas, moi, n'importe quel Ouais, endroit, mais en non. Australie pour aller se choper. Ça, c'est cool parce que voilà, t'as envie de voyager, mais en fait, tu y vas, Il est constipé là. Il aime pas être porté lui. Il est pas porté, Bah alors que c'est qu'il y a? Bon allez, laisse-le. cool. Oui, tu dis voyager. Bah non, Mais en mais fait, c'est vrai que ça coûte très cher juste pour oui, avoir voilà, ça. déjà ça coûte cher, mais Ouais, mais bon, en bon, fait, ça voilà, pourrait être tu vas au marrant. sommet. Admettons, tu vas attraper un sulfura. Tu vas au sommet d'un volcan et tu vas, et en fait, non, Oui, mais mais ils vont pas faire des trucs dangereux non plus. tu vas en bas, enfin, je sais pas, comme sur un site, enfin. Et, mais où est le problème alors? Mais Où où est est le le problème? problème? C'est qu'il y a personne au bout. Il y a rien au bout. Et alors? Et ben, c'est nul. Mais pourquoi il n'y a rien au bout? Mais Attends, parce que ton sulfura n'existe pas. Mais en réalité augmentée, si, tu pourras le Oui, mais capturer. t'enlèves tes lunettes, ton téléphone ou quoi que ce Eh soit. ben Et dans ben ce t'as cas, rien tu au en... bout. Eh ben si, t'en profites justement pour voyager. Ben non, parce C'est-à-dire, non mais en fait, que nous, ce que... dans notre tête, voilà, on a un objectif et quand il est passé, ben après, Mais c'est là où il on faut être n'hésite pas tout le intelligent. Mais temps. alors c'est là où il faut être intelligent. C'est-à-dire que si, par exemple, je pense que ça dépend encore une fois des gens, mais c'est différents cas de figure. Si t'es hyper fan, t'en as rien à foutre de savoir qu'il y a que ce Pokémon virtuel au bout, puisque tout ce que tu veux, c'est l'attraper. Par contre, si t'es fan, mais pas trop, dans ce cas, tu le fais intelligemment. C'est-à-dire que tu te dis, bon, je vais pas aller là-bas juste pour le Pokémon. Dans ce cas, tu te dis, bon, alors j'économise pendant quelques années, et au bout d'un certain temps, je vais me faire un voyage là-bas, avec des trucs organisés, où je vais faire ça, 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 ça et ça. Et l'attrapage du Pokémon,
sera fait parmi les choses que tu te seras fixé, tu vois. Comme ça, tu te dis, ben, je sais pas, moi, je sais pas, tiens, il y a un Pokémon que je veux, il est uniquement au Japon. Et ben, tu te dis, je vais économiser pendant 5 ans, je vais me faire un voyage au Japon. Je vais voir plein de trucs, dont capturer ce Pokémon. Je sais pas. Non, moi, je sais pas. Parce que tu serais trop fan et tu te dirais, ah, je veux trop aller le capturer. Ah, non, 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 du tout. C'est le fait que tu dises de voyager juste pour attraper un truc qui n'existe pas vraiment. Mais... Oui, mais ceux qui sont hyper fans, oui, ils mais le feraient, d'accord, hein. Regarde, moi, je suis fan de Pokémon, mais pas pour autant. Alors, toi, justement, t'es vraiment fan, mais tu le ferais pas pourquoi, alors? Parce qu'il y aurait que ça vraiment au bout et Non, c'est juste que, oui, c'est pareil. Moi, si je veux... Tu penses que ce serait si trop poussé, voyager, alors? Moi, j'aurais vraiment... C'est un voyage que j'aurais vraiment envie de faire et pas juste pour attraper un Pokémon, hein. Mais c'est ce que je suis en train de dire, en fait. C'est-à-dire que ton voyage, tu l'organises pour faire des trucs là-bas. Oui, ben voilà, mais écoute, vraiment... Si c'est un endroit que t'as pas envie Je d'aller, c'est pense ça? qu'il... Non, non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent peut-être comme toi, je sais pas. Je sais pas, au pire, vous le dites dans les commentaires. Peut-être que moi, je suis complètement à la côté de la plaque ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui Non, pense comme mais moi. ça se trouve, c'est vrai ce que tu dis, mais voilà, je sais pas. Mais tu sais que je dis simplement que ça dépend des Parce que gens. C'est-à-dire que les gens qui je sont ne sais hyper fans, pas. ils y vont. Et ceux qui sont pas très fans, ils s'organisent carrément un voyage un jour pour y aller à l'occasion. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, ce sera pas leur but définitif. Enfin, c'est tout ce que je veux dire, Ah, hein. je sais pas. Ouais, peut-être. Enfin bref, voilà, on pourrait débattre. Moi franchement, déjà, je pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps. Je me suis dit, je vais faire une vidéo assez courte pour pas ennuyer. Peut-être que voilà, peut-être que c'est ennuyant, je sais pas. Mais en tout cas, moi, le débat, il est passionnant. On peut dire vraiment pas mal de choses. Je pensais réellement, sincèrement, pas dire autant de trucs, mais c'est vraiment bien. Mais du coup, on va continuer. Ah, tu vas Je pas vais finir le éviter de vous. commentaire, Je hein, voulais tu pas vois. vous décourager, mais je vais quand même vous dire un truc. J'avais prévu 4 parties. On vient d'en faire qu'une seule, hein, mais ne vous inquiétez pas, restez là. On va passer les autres parties assez rapidement, surtout qu'il y a certains points qu'on a déjà abordés. Mais là, il y a un point super intéressant, donc c'est le deuxième point, c'était mes interrogations. Alors, ça rejoint un petit peu le fait que les points que je disais que j'étais sceptique. Mais là, il y a vraiment juste deux points. Le premier point, c'est savoir si le casque de réalité virtuelle passera le cap du gadget. Donc on a eu le cap du gadget avec la 3D, j'en ai déjà bien assez parlé, et on a eu le cap du gadget avec la Kinect. Voilà. La Kinect de la Xbox One, vous voyez bien qu'elle a fait un flop total. Je vais pas refaire tout l'historique, mais voilà, la Kinect était vendue carrément avec la Xbox One pour que ça incite les éditeurs à faire des jeux exclusifs pour la Kinect et qu'ils en fassent un peu plus qu'avant. Mais du coup, on voit ce que ça a fait. Ça a vraiment encore pas marché. Il n'y a pas assez d'éditeurs qui se sont mis sur des jeux Kinect. Et du coup, ça fait un flop total. Et c'est ça qui peut exactement se passer avec le casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que j'ai noté exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait avoir des utilisateurs qui ne voudront pas acheter de peur de mettre trop d'argent dans un truc qui ne marchera peut-être pas. Et d'un autre côté, on aura les éditeurs qui voudront peut-être pas se lancer dans des jeux exclusifs à la réalité virtuelle de peur que leur casque rencontre peu de succès. Donc, c'est-à-dire qu'on aura des frileux des deux côtés. Et si on reste frileux des deux côtés, le truc va stagner et restera au stade de gadget. Tiens, alors voilà le constipé numéro 2. Voilà. Bah ouais, t'es beau, hein. Ouh. Voilà, c'est la petite interlude chat. Hein. Oh oui, oh, t'es trop trop mignon. T'as des belles moustaches. Regardez ces moustaches qu'il a, c'est un truc de malade. Là encore, on les voit pas toutes, mais il a des putains Il de a des moustaches. moustaches frisottis là. Oui, il y en a une qui est frisottie, oui. Oui, parce qu'il s'est brûlé. Bon, alors, on reprend là où est-ce qu'on en était. Tout ça pour dire que, voilà, si les deux restent frileux, eh ben ça va stagner comme la Kinect, comme la 3D, comme quoi que ce soit, et ça va jamais marché. Parce que voilà, le nombre de jeux sera limité. Même alors, ce qui peut aussi rendre frileux et qui peut empêcher que ça marche, c'est que la réalité virtuelle quand même risque d'être assez ciblée. Et oui, parce que déjà, pour la réalité virtuelle, tu pourras en quelque sorte, entre guillemets, faire, pour vraiment insister sur l'immersion, faire que des jeux à la première personne. Tu pourras faire des jeux à la troisième personne ou n'importe quel autre Mais j'ai jeu, rien qui est mais beau. je veux dire, ça marchera à mon avis que pour les Non, FPS. Ça limite, il marchera est bien que bien. pour les FPS et les jeux de bagnole. T'as vu, Ou non, autres jeux de il est bien simulation, je sais là. pas, d'avion ou de Ok. bateau ou j'en sais, quoi que ce soit pour Farming Simulator. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Et ben alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es constipé? Mais non, il est bien.
Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment une question. Je vais pas plus développer. C'est vraiment ça. C'est savoir. Je vais juste dire ce que moi je pense. Et là, je me suis dit bon, tu vas dire dans la vidéo si toi tu penses que ça va marcher ou pas marcher. Parce que c'est facile de dire oui. Alors si à ça va marcher, si à ça va marcher. Oui, non, mais ça c'est facile. Mais moi, je vais mouiller un peu et je vais vous dire si moi je pense que ça va marcher ou pas. Pour moi, la réalité virtuelle a une grande chance de fonctionner. Voilà. Moi, je suis optimiste. Tu vois, je suis comme Carrefour, j'optimise. Non, j'ai pas Non, été payé pour mais faire cette pub. tu perds des lunettes là. Pour le casque, ouais. Mais ça va marcher, c'est obligé. Ah Combien de non. gens rêvent de ça? Mais oui, mais là, je viens d'expliquer un truc, là. Oui, mais j'ai pas T'as, oui, t'as écouté. pas suivi. Mais c'est que, pour faire un résumé vite fait, c'est que t'as des gens qui vont pas vouloir acheter Oui, parce voilà, que à c'est cause trop du cher. prix. Et ils vont se dire, si ça marche pas, je leur ai dans le cul. Et les éditeurs vont Ah se oui. dire, on va peut-être pas trop faire de jeux exclusifs, pas trop mettre de budget dans les jeux si ça se vend pas bien. Bon, Et là, ça peut rester. peut-être qu'au début ça va peut-être pas trop marcher. Mais comment dire, il y a des gens qui vont l'avoir, donc des amis qui vont parler à des amis, enfin bouche à oreille, tu vois. Donc les amis des autres vont essayer et puis on ira, ah, oui, c'est cool. Donc du coup, ben voilà. Et qu'est-ce que tu dis alors pour la Kinect? La Kinect, elle a été vendue avec la Xbox One. Il y a au Tu moins sais plus de, je sais pourquoi? pas combien de millions de Xbox One qui ont été vendus. Et pourtant, la Kinect, eh ben, elle a fait un Ben moi, tu flop de sais, mal. ouais, tu sais, ben moi qui ai pas de Xbox, quand j'ai essayé la Kinect, la première fois c'était chez toi, je crois. Mais attention, ils l'ont amélioré sur la Xbox One, la Kinect. Mais bon, Ah, vas-y, j'en sais vas-y. Ton rien. avis est très Ben moi, intéressant, quand je vas-y. l'ai essayé, ben déjà il y avait beaucoup de bugs. Hein. Oui, mais ils l'ont Quand je amélioré. l'ai. Non, mais je connais pas après moi les autres versions. Bon, vas-y, ouais. Donc, il y Mais avait beaucoup de bugs, quand je l'ai ouais. essayé chez toi. Il y avait beaucoup de bugs, hein. Ça marchait pas très bien. Puis voilà Et quoi. surtout, Après, c'est les jeux qui étaient avec. les jeux étaient bidons, mais je dois reconnaître. Ah non, c'est sur la Wii, les Just Dance. Mais je crois qu'il y en a un Oh, mais il y en a de autre. partout des Just Dance maintenant. Ouais, Mais non, mais bien sûr. après, peut-être que le plus intéressant, c'est juste pour les Just Dance en fait. Ben, ça, c'est vrai. Parce que du coup, Ouais. t'as aucun gadget dans les mains. Donc, Voilà. c'est vrai que c'est Mais ce vraiment serait intéressant. pour seulement ces seuls jeux le plus intéressant, donc pour les fans de. Pour ceux qui aiment bien danser et tout Non, mais ça. le Mais problème, c'est qu'elle après. a fait un flop parce que t'as pas assez d'éditeurs qui ont voulu faire de jeux dessus, et surtout des jeux bien. Oui, Parce que mais quoi comme jeu bien à part danser, tu peux faire quoi? Mais je sais pas, À part non. fusiller des canards, ok. Mais non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pourquoi ça a pas marché et pourquoi le casque de réalité virtuelle risquerait de ne pas marcher. C'est parce que sur une télé ou en 3D, tu peux proposer tous les jeux connus actuellement, toutes les grosses licences qui sont hyper connues. Par contre, sur les jeux Kinect et sur le casque de réalité virtuelle, tu ne pourras pas proposer tous les jeux connus actuellement. Et donc, si la plupart des gros jeux ne sont pas proposés, donc là, sur le cas de la Kinect ou sur le casque de réalité virtuelle, ça va pas faire assez de bruit, ça va pas assez intéresser les gens, ça va juste être un gadget au début qui va être apprécié pour ce qu'elle propose, mais non pas pour ce qu'elle va proposer à l'avenir, pour ce que ça va être pour je sais pas pour les 5 ans, pour les 10 ans à venir, parce que bientôt, enfin, on aura vite fait le tour et les gens auront dit ouais bon c'était une giga expérience, mais bon moi je vais retourner sur mon canapé jouer à Uncharted. Et oui, parce que regarde, je prends juste le cas d'Uncharted comme ça à tout hasard pas vraiment parce que c'est quand même un jeu qui est super connu, mais voilà, imagine un Uncharted en réalité virtuelle, où est l'intérêt? Vraiment, il n'y a pas d'intérêt parce que c'est un jeu à la Non, mais troisième en personne. fait, je pense que le Et. truc du casque, en fait, les seuls trucs qui marcheraient bien, c'est quand c'est toi qui maître Et bah c'est de ce ça. que Oui, tu voilà. fais. Donc à la Tandis première que le personne, c'est ce que je viens de Uncharted, dire. c'est clair que ça servait à rien parce Voilà. que tu déplaces un héros, mais pas toi. Donc on touche là le problème, c'est-à-dire que la réalité virtuelle limite les types de jeux. Et du coup, ça pourrait limiter son succès. Ah oui, peut-être. Alors, c'est vrai que là, je pense que peut-être que ça marche au début, mais après, Voilà, c'est mais moi obligé je de reviens changer. quand même sur mon avis, je suis obstiné et optimiste, je dis que ça va marcher. Alors, Ah, moi aussi. pourquoi? Pourquoi? Parce que si on reprend encore une fois le cas de la Kinect de la Xbox One, il n'y a qu'un seul constructeur qui a ça. Vous voyez? S'ils font des jeux exclusifs sur la Xbox One, enfin sur la Kinect, ce sera que des jeux exclusifs à la Xbox One. Donc ils trouveront pas d'autres preneurs sur d'autres plateformes, ils seront pas beaucoup vendus et il y aura pas beaucoup de chiffres d'affaires. Alors que là, c'est totalement différent, la casque de réalité virtuelle. Pourquoi? Ben parce que déjà, c'est pas qu'un seul éditeur. Il y a Sony, il y a surtout Oculus Rift qui a commencé sur PC, mais maintenant, il y en a tout plein. Alors,
comme je disais au début, je connais pas la liste, mais t'as Valve, t'as HTC et Valve en même temps. D'ailleurs, je vais en parler un peu après. T'as HTC et Valve en même temps. Putain, j'ai vraiment aucun nom en tête qui me vient, mais t'en as, je sais pas moi, t'as au moins maintenant avec ta Samsung, t'as Amazon, je crois, t'en as plein qui veulent faire leur propre casque. Je crois que t'en as au moins, Ah allez, ouais? à tout casser, t'en as au moins une dizaine. Amazon, Donc carrément. déjà, si t'en as 10, et déjà, je rappelle juste que aussi Oculus a été racheté par Facebook, ça veut dire que Martin Zuckerberg, là, il a peut-être une idée pour faire justement cette espèce de réseau connecté, mais ça sera plutôt, on en reparlera peut-être aussi après. Oui, genre. C'était sur le truc qui t'effrayait tout à l'heure, mais enfin, c'est pas simplement un truc, un gadget cantonné à un seul constructeur, à une seule machine, à un seul jeu, à un seul jeu, je sais pas. C'est un truc qui a vraiment explosé. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dessus. Alors, ça peut tout autant se casser la gueule, je suis tout à fait d'accord. Mais là, ça touche le domaine du PC, des consoles. Pour le moment, Microsoft est encore un peu à l'écart. Ils sont plutôt dans la réalité augmentée. Mais l'Oculus Rift pourrait certainement être rendu accessible sur la Xbox One. Mais voilà, c'est un truc qui est beaucoup plus, on va dire, excentré. C'est quelque chose qui s'ouvre beaucoup plus. Et qui va donc toucher beaucoup plus de monde. Et en plus, le casque de réalité virtuelle n'est pas exclusif aux jeux vidéo. Il va y avoir, à mon avis, énormément d'applications qui vont permettre d'utiliser la réalité virtuelle, pas seulement pour jouer, mais pour faire, je sais pas moi, t'imagines des visites guidées d'appartements? T'imagines? Tu veux savoir comment c'est dans l'appartement? Eh ben. Le gars, tu vois, t'as ton casque chez toi, et ben je sais pas, tu télécharges la visite guidée directement sur ton casque de réalité virtuelle, tu le mets sur ta tête et tu visites l'appartement comme si tu y étais. Imagine! J'avais même pensé à un autre truc un jour, c'était que Ouais, pour ce genre de pour truc, les films, c'est utile. pour les, Ah oui, oh, pour les films, pareil, tu pourras commander des films directement sur ton casque de réalité virtuelle, tu les mets, etc. Enfin, je pense que là, il peut y avoir, mais donc voilà, c'est ça pourra presque toucher ça le maintenant. cinéma, ça pourra toucher n'importe quel domaine, n'importe quel métier. Là, c'est vraiment cantonné pour le moment aux jeux vidéo, mais ça pourra toucher partout. Et c'est pour ça que je pense que ça Super. pourra énormément évoluer, énormément, énormément être boosté. Je sais pas, les gens, quand ils vont venir chez toi, ils vont vouloir essayer, ils vont vouloir en acheter, du coup. Je sais pas. Franchement, c'est pour ça que moi, j'y crois. Et Mais j'espère je vous y pense avoir fait croire à vous aussi, parce que franchement, je vous avoue que j'y crois parce que j'ai aussi envie d'y croire. Voilà, parce que bon. Mais Mais je suis beaucoup plus certain que ça va marcher plutôt que certain que ça ne va pas marcher. Tu sais, c'est un truc je pense que tout le monde au moins une fois a rêvé d'être dans un propre jeu, quoi. Oui, mais il faut pas que ça en reste là. C'est-à-dire qu'il faut pas que la personne se dise, bon, bah, c'était cool. Maintenant, je vais retourner sur ma Ah non, télé. mais voilà, après s'ils proposent plusieurs trucs, je sais C'est pas moi, ça. mais non, moi je suis sûre qu'il y aura plein de no-life. On verra. Bon, autre interrogation que je me suis posée, c'était de savoir quel est l'effet du casque de réalité virtuelle à court ou long terme sur l'effet de notre corps. Alors, on a déjà eu quelques retours d'expérience, hein, des gens qui ont des nausées, tout ça, des pertes d'équilibre, tout ça, ça s'est déjà expérimenté de la part des gens qui ont essayé. Voilà, j'avais noté nausées, malaise. Après, à plus long terme, est-ce qu'on pourrait avoir je me suis demandé, des problèmes de vision? Avoir un écran, je sais pas combien vraiment tout proche de nos yeux, avec une résolution de malade, des pixels grossiers, etc. Est-ce que ça pourrait pas, déjà influencer notre vue, notre capacité de vision, mais aussi notre adaptation à notre vie réelle après. Si le gars, par exemple, abuse du casque de réalité virtuelle, est-ce que le retour à la réalité pourrait pas être, je sais pas comment dire, mais Un choc. ouais, je sais pas, est-ce que le gars, au bout d'un moment, C'est il verrait plus bizarre. pareil, ou franchement, Ça je sais pas comment déterminer me fait ça, mais penser est-ce que ça nous à. changerait pas carrément notre vision interne? Voilà, là, je fais vraiment une je sais pas, Moi, ça me fait penser à un manga que j'ai vu un peu comme ça. Ah Ouais, Sword Art Online. Donc, si vous connaissez pas, vous allez regarder. C'est exactement. Ça parle d'un casque et tout. Les gens qui sont dans une autre réalité, ils sont dans un jeu et du coup, ils sont bloqués. et quand ils reviennent dans la Et quand réalité, ils ils sont reviennent, complètement perdus. ils sont complètement perdus. Puis surtout qu'ils
Enfin, voilà, enfin, dans le manga, j'ai pas envie de spoiler, Non, mais mais bon, c'est redis voilà. juste le nom. Sword Art Online. Voilà, Enfin, comme ça moi aussi. je suis malade, donc du coup, j'essaie de bien articuler. C'est bon, ça va, on a compris, enfin, je pense. Puis sinon, vous tapez sur Google, ça se trouvera facile. Ouais, donc déjà les problèmes de vision. Alors, j'avais juste vu un moment, vite fait, sur Internet, le mot guérison, voilà, en rapport avec la réalité virtuelle. Je me demande si la réalité virtuelle pourrait pas, je sais pas, guérir des phobies, guérir des trucs, je sais pas quoi, mais guérir des trucs autant internes que, je sais pas, ou qui pourraient améliorer, qui pourraient apprendre, qui pourraient, je sais pas, moi, genre, aider un autiste à sortir de sa maladie, entre guillemets, qui permettrait de s'ouvrir. Je sais que c'est paradoxal, parce que tu t'enfermes dedans. Mais peut-être que ça peut t'aider à t'ouvrir, je sais pas. Là, franchement, je fais des suppositions, j'ai aucune preuve tangible ni rien du tout, mais je me dis pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, ça pourrait pas aider, tout comme les jeux peuvent aider déjà eux-mêmes et ont déjà fait leurs preuves. Ils sont même utilisés maintenant dans des écoles pour aider des gens malades, voilà, pour guérir de certains troubles. Voilà, j'avais noté quoi? Bon, l'introverti, j'en ai déjà parlé. Et je rejoins, voilà. J'ai noté victime du syndrome Matrix, Inception ou Avatar. Voilà. Là, je pense que c'est très parlant. Et c'est ce Avatar, que je viens ouais. de dire déjà quand j'ai parlé du problème de vision que tu as dit avec ton exemple de manga où tu es complètement dedans et quand tu retournes à la réalité, t'es plus pareil ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Syndrome de Matrix, bon, bah là, c'est pas vraiment un syndrome. Matrix ou Inception, c'est pas trop un très très bon exemple, mais surtout Avatar. C'est-à-dire que tu te couches, tu te mets dans le machin. Enfin, remarque, si, Inception aussi, parce que Inception, tu te couches et tu rentres dans un rêve. Mais c'est Là, ça c'est pareil. qu'on a vu là. Oui, c'est le film qu'on avait vu, ouais. Ah oui. Et là, et Avatar aussi, je veux dire, surtout Avatar, je pense, c'est ce qui illustre le mieux. C'est-à-dire que tu vas incarner un personnage virtuel. Et enfin, virtuel, c'est un autre personnage qui vit dans la même réalité, dans Avatar, mais bon, là, ce sera dans une autre réalité. Mais bon. Le principe est le même, est-ce qu'au bout d'un moment tu t'enfermerais pas dedans et après tu carrément ta vie réelle n'a plus aucun sens? Mais là j'ai envie de revenir sur le problème qu'on a abordé au début, Mais c'est-à-dire que les jeux vidéo ça peut très bien être pareil. Le gars qui va s'enfermer dans son jeu peut très bien trouver après sa vie réelle totalement futile et inintéressante. Donc là je pense qu'on touche aussi au même problème et c'est un problème qui se pose autant aujourd'hui que demain. On enchaîne vite, désolé si t'avais un truc à dire, mais non, là je veux bien, ça fait déjà super trop mais longtemps qu'on ça parle. m'énerve. Partie 3, je voulais parler des retours d'expérience. Alors, retour d'expérience, Ah, c'était. c'est pas vraiment. Il y a des retours d'expérience, je vais y arriver, mais aussi des avis externes, tout comme toi, je t'ai demandé ton avis, je te l'ai demandé un petit peu trop tôt peut-être. Parce que là, on va lire justement les avis des Pourquoi? personnes sur Twitter. Mais avant, je vais simplement parler de l'avis d'un site internet, CNET France, qui a fait un article sur une expérience qu'il a fait sur le casque de réalité virtuelle HTC, donc en relation avec qui coopère avec Valve. C'est le HTC Vive. Voilà. Donc, je l'ai marqué ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, HTC Vive. Et pour eux, bah, c'était parmi tous les casques qu'ils ont essayé, c'était leur meilleure expérience de réalité virtuelle qu'ils ont expérimenté. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il y avait déjà une très très bonne physique. Ils s'amusaient à jongler avec des objets. Ils étaient en cuisine. Il y avait un chef cuisinier, je crois, qui a même essayé les casques. Et puis le casque, et puis essayé comme ça. Il était vraiment super à l'aise. Et puis il essayait de jongler, de faire des trucs de fou. Et il se démerdait, mais vachement bien. T'as un espèce de système que tu tiens dans la main. Dès que tu le relâches, c'est comme si tu lâchais l'objet. Et en fonction de la pression que tu mets dedans, de la manière dont tu vas lever ton bras, tout ça va influer du coup sur la physique de l'objet dans le monde virtuel. Et apparemment, le gars, il s'éclatait et il trouvait ça super réel. Ah oui, un truc marrant. On a souvent affaire dans les jeux vidéo à des murs invisibles. Et ben là, ce sera un petit peu pareil. C'est-à-dire que si jamais vous avez le casque et que vous marchez à proximité d'un mur là, et ben dans votre casque de réalité virtuelle, vous allez avoir une espèce de grille comme ça virtuelle qui va se mettre devant vos yeux pour vous dire attention, vous êtes en train de vous approcher d'un élément physique sur lequel vous êtes prompt de vous cogner. Voilà. Donc du coup, en fait, ce sera une espèce de barrière virtuelle qui te dit que tu approches dans la réalité, dans ta réalité, d'un objet. Voilà. Donc Mais le ça, je but trouve ça vraiment sympa, c'est ça. de l'utiliser dans genre chez soi ou Oui, dehors?
Ah non, c'est utilisé chez soi le cahier d'exercice. T'imagines, tu l'utilises dehors. Si tu te déplaces chez toi dans ta chambre, t'as pas de place. Bah Comment tu ouais. fais? Non, mais t'as des jeux, des moments, je sais pas. T'imagines un jeu de... Là, j'ai parlé de cuisine, c'est qui te nécessite, je sais pas, d'être là, de faire des petits trucs, de te Mais bah, en retourner, de faire ça. général, quand... Des moments quand t'as la case de réalité virtuelle, tu sais pas où tu bouges. Tu peux très bien faire un peu plus de pas en arrière que de pas en avant. Et tu peux Ouais, te bah retrouver là, moi, malencontreusement contre un tu mur, bouges. et bim, tu tournes la tête et tu niques ton Mais tu casque ou fais tu des te niques petits toi. ronds, tu fais du que du sur place, genre dans une chambre, c'est pas grand. Mais c'est ce que tu crois, t'as encore jamais essayé la case de réalité virtuelle. Et même moi qui ai Ouais, jamais mais essayé le bon. casque, je peux te dire que les gens. Des fois, ils mettent le casque, ils sont à un endroit, dès qu'ils ont fini de jouer, même si ça bouge pas beaucoup, ils sont totalement à l'autre bout de la pièce. Alors, moi, je te dis qu'un petit grillage virtuel lorsque tu approches d'un Ouais, mur, c'est sera pas de bizarre, refus. je sais pas ce qu'on pourrait faire. Non, mais J'aimerais c'est bien mieux, hein, non, faire. franchement. Ils ont juste ressenti une petite perte d'équilibre, à ce qui paraît, voilà. Mais bon, ça, c'est un petit peu normal si tu joues debout à un truc qui bouge beaucoup. Une chose que j'ai notée, je sais pas si ça se fait pour les autres casques, mais en tout cas là, ils ont dit que le casque faisait du 90 images par seconde. Donc, le rafraîchissement de l'image est extrêmement rapide. Et du coup, ça t'immerge encore plus dans le monde. C'est comme dans la vie réelle, quoi. Tu vois pas de saccade, tu vois pas de ralentissement ni quoi que ce soit. Et ben là, voilà, ils avaient vraiment l'impression que c'était extra fluide. Bon, ça c'est à voir. Encore une fois, voilà, c'est des choses qu'on n'aura peut-être pas partout. Par exemple, sur console, ça, je sais pas. Peut-être qu'avec le boîtier sur la PS4, peut-être qu'on l'aura. Voilà, donc ça c'était pour l'expérience que j'ai trouvé intéressante. J'ai lu l'article, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Ce serait bien que je vous le retrouve et que je vous le mette en description. Il y a plein de choses que je pourrais vous mettre en description, dont le manga que vous a cité Iraku. Bah en fait. Oui, retour à l'expérience, c'était ça. Et en fait, la quatrième partie, ce sont les avis Twitter. En fait, je me suis gouré, c'est ça. Là, on arrive déjà à la quatrième partie. Ça a été un peu plus rapide, du coup. Donc là, j'ai pas eu beaucoup d'avis, mais j'en ai eu déjà des sympas qui abordent un petit peu déjà les sujets qu'on a abordés. Mais voilà, donc on a eu en premier Only Human, une connaissance à moi, un ami qui m'a suivi pendant un bon petit moment. Donc, qui m'a dit que pour le moment, ce sera qu'un gadget. Et non une véritable console ou autre. Et donc pour lui, c'est un Ah, mais maintenant intérêt je comprends assez, mieux. assez limité. Donc maintenant, ça y est, tu comprends mieux. Oui. Donc voilà, lui, il veut dire que voilà, ça restera à l'état de gadget. Si je t'ai bien compris, Only, ça restera au niveau d'un gadget. Et ce qui est totalement compréhensible, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais ça marche pas assez, les gens vont jouer, ils vont trouver ça cool, et au bout de certains mois, de quelques années, ils vont totalement s'en détacher, ils vont dire, bon ça c'est Ça du passé, bouge, maintenant je retourne ça. sur mes trucs de base où il y a beaucoup plus de choses à faire dessus. Peut-être. Moi, je te dis Only, je suis pas de ton avis, même si je le partage. Attention, je partage totalement ton avis, mais je suis tellement optimiste pour le casque que je ne peux pas dire que ça restera à l'état de gadget. Pour moi, ce sera vraiment, j'ai envie de dire le mot, ce sera une révolution. Voilà. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas que pour le jeu vidéo, hein, attention, peut-être pas que pour le jeu vidéo, mais ce sera certainement une révolution. Et toi, t'as un avis à dire, toi? L'autre, il a envie de parler. Et l'autre, il fuit, non mais. Et l'autre, il se prélasse. Voilà, on en a un qui se prélasse. Il est tranquille, ça va. Tout va bien, Milo? Ah oui. Il est dingue, ce chat. Voilà, donc bon, Only, je partage ton avis, mais moi, je suis trop optimiste pour dire que ça restera à l'état de gadget. J'ai pas envie que ça reste à l'état de gadget. Et on a eu aussi un autre avis négatif, donc cette fois de Tiflorg, que vous voyez là en dessous normalement aussi. Donc lui, il a été clair et précis. Il a dit une véritable immersion dans votre vomi. Alors. J'interprète ça Pourquoi par. le vomi? Ben je pense qu'il a. Alors je sais pas s'il l'a fait exprès, je sais pas si tu l'as fait exprès, Tiflorg, mais à mon avis, c'était pour dire que comme ça donne un peu la gerbe, donc déjà pour lui, à mon avis, il doit pas aimer. D'un côté, déjà, il doit pas trop aimer l'idée, donc pour lui, c'est de la merde, donc du vomi, du caca. Je te rejoins. Et d'un autre côté. Il fait le rapprochement avec le fait que le casque ça te donne la nausée, donc du coup tu t'amuseras dans ton propre vomi quoi. Donc Ouais, c'est un peu et il fait le lien dégueu. aussi avec le fait que c'est immersif, donc une phrase très bien trouvée à mon goût, une véritable immersion dans votre vomi. Voilà, bravo pour le peu de poésie que tu as apporté à ma vidéo, Tiflor, que c'est vraiment sympa. Non, j'ai bien aimé. Après c'est peut-être ton avis, voilà, fixe, hein, peut-être que tu penses autre chose, c'était juste pour faire cette petite poésie. Mais quoi que ce soit, je trouve que c'est aussi un avis qui est totalement potable, hein. Je veux dire, si tu penses ça, c'est totalement légitime. Il y en a beaucoup qui doivent penser comme toi, dont cette personne-là. Oui. Voilà, moi je dois être le seul con à être optimiste. Mais bon, Non. on verra, non, mais je sais bien, mais bon.
On verra, seul l'avenir nous le dira. Donc là, et ben voilà, on va pouvoir entamer enfin la conclusion après autant de minutes à être passées ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire en conclusion? Ouais, je voulais parler des utilités poussées que pourrait avoir dans l'avenir le casque de réalité virtuelle. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'une d'entre elles serait le réseau social. On sait que Oculus a été racheté par Facebook. Et Facebook, c'est quoi? C'est un réseau social. Donc je me dis peut-être que ils vont réussir à faire un espèce de monde virtuel social, un peu comme ils avaient fait avec le PlayStation Home sur la PlayStation 3. C'était un truc que j'avais découvert, j'avais trouvé ça assez sympathique, même si ça c'est un petit peu tombé dans les abysses. Mais voilà, c'est-à-dire que tu es un peu comme Avatar, voilà. C'est-à-dire que tu es dans un monde virtuel, tu as ton propre avatar que tu te crées toi-même. Et les gens peuvent venir te voir, te parler, enfin voilà. En fait, c'est une vie imbriquée dans une vie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu vivras tout simplement ta vie, mais dans un monde virtuel. Donc là, on rejoint carrément ce que tu disais, c'est-à-dire que l'abandon total de ta propre vie. Et là, si ça en va jusque-là, je t'avoue que moi, je trouverais ça déjà excitant, mais je t'avoue que quand même, ça me ferait peur. Ça me ferait peur parce que on en arriverait à... Pourquoi ça veut dire que tu veux plus vivre? Mais non, je suis pas très intéressé à ça. Je t'ai dit ça que pour essayer, ça me plairait, mais que ça ferait quand même flipper parce que t'en arriverais à, je sais pas, carrément te ranger dans une case comme ça, tu te mets bien, tu te poses sur ton lit, Tu ferais? Non, pas aussi poussé, je pense pas. Mais tu mettrais ton casque comme ça et tu vivrais ta vie virtuelle. Et dans cette vie virtuelle, il pourrait t'arriver n'importe quoi. Tu pourrais sauter d'un immeuble de 10 étages, tu crèverais pas. Enfin, si, tu crèverais dans le jeu, mais que dans le jeu. Là, tu pourrais, vu que c'est en réalité virtuelle, tu pourrais expérimenter des trucs que tu pourrais pas expérimenter dans ta vie. Et il y en a beaucoup qui pourraient y prendre énormément de goût. Et je sais pas quelle ampleur ça pourrait prendre, mais si ça prend une trop grosse ampleur, ça pourrait faire peur. Et on pourrait se retrouver un petit peu comme, je sais pas si vous avez vu Wall-E, donc j'ai pas trop envie de spoiler, mais bon, l'humanité en est arrivée un petit peu à ce moment où il se déplace plus que par des machines. Et donc, en fait, ils perdent tout, quoi, leur phalange. Enfin, ils perdent plein de choses. Ils sont totalement gros, ils peuvent plus bouger. Ils ont perdu les sens. Ouais, ils ont perdu n'importe quoi. Ils peuvent plus se mettre debout. C'était assez marrant à voir. C'était bien imaginé, j'ai trouvé dans Wall-E. Mais sur le coup, si la réalité virtuelle en vient jusque-là, on serait sur notre lit, on bougerait plus et on vivrait virtuellement. Et même, pour vivre encore plus longtemps, Google inventerait des pilules pour régénérer nos cellules de notre corps pour que notre cellule ne vieillisse pas. Putain, ce serait énorme. Enfin, ce serait énorme. Sinon, là, ce serait surpopulation, on serait 36 milliards sur Terre. On nous prend vraiment pour des cons, pour des animaux, pour des limaces. Ah, ben ça, c'est ton avis, hein, mais tu sais que le fait non, de. Mais c'est déjà fait, de toute façon. Mais le fait de régénérer des cellules pour vivre plus longtemps. T'en as qui diraient pas non. Hein. Ah, mais non, mais par exemple, comme les vieux papis, non, ça c'est utile ça. Même les gens, par exemple, qui ont une maladie. Tu prends ça quand t'es vieux papi, pas quand t'es jeune. Non, mais. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ce serait peut-être un futur sujet. Alors j'avais mis matériel pour le déplacement. Ah oui, j'en ai parlé au début en fait, c'est-à-dire que en plus du casque, on pourrait très bien avoir d'autres matériels pour pouvoir se déplacer, pour voir nos mains dans le jeu, etc. Bon, ça j'en ai déjà parlé. Et puis voilà, je m'étais posé une dernière question, c'est est-ce que ça va fonctionner ou pas. J'ai déjà bien assez dit mon avis là-dessus. Moi, je suis optimiste, elle est pessimiste, mais tant pis, on verra bien. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, voilà, pour conclure, c'est que ça va arriver chez nous, on pourra l'expérimenter de nous-mêmes, on pourra, comme on dit, vivre l'histoire, et c'est tout ce que je demande. Et donc, on verra si tout ce que je dis là, ben, ça va être vérifié ou non, ou si on va atterrir dans une autre réalité totale, ou si, je sais pas, ça va bien marcher, ou ça va complètement se planter la gueule. Voilà, je pensais pas du tout que cette vidéo allait durer aussi longtemps, mais en tout cas, elle était
passionnante. C'était génial de pouvoir partager autant, même avec toi, de pouvoir Moi, j'y discuter. connais pas grand-chose. La prochaine fois, franchement, si ça intéresse des gens, je pourrais, pour une autre vidéo comme ça, inviter des gens carrément sur Skype. On pourrait carrément débattre avec eux. Je pourrais débattre avec vous sur Skype. Comme ça, on fera carrément la vidéo ensemble. C'est toujours bien d'avoir des gens avec qui échanger. Si je suis tout seul comme ça à faire ma vidéo, à avoir mes propres avis, c'est toujours moins intéressant. Donc voilà, si jamais vous avez envie, j'ai utilisé Twitter justement pour avoir des avis externes. Mais vraiment, si vous voulez rejoindre en plus Skype pour débattre avec moi, franchement, il n'y a aucun problème. Je sais pas du tout encore quel autre sujet je vais faire, mais dans l'actualité, il se passe plein de choses. Ce sera pas forcément du jeu vidéo, hein, ce que je vais aborder. On verra bien toutes les choses passionnantes et qui me passionnent ou qui m'intéressent de près ou de loin. On va pouvoir débattre là-dessus. Et puis voilà. En tout cas, pour ce qui est de la réalité virtuelle, moi, je peux pas en dire plus. On n'a qu'à le voir en réalité. On expérimentera ça par nous-mêmes et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez, salut à tous, ciao, retournez bien à vos occupations.